Celle-là, c'est là. Alfury. Oh, c'est de l'épice orange, j'en ai rien à carrer. Putain, mais... C'est bon? Le truc, c'est que voilà, c'est ça qui me plombe comment? Ma soute. Ça, je m'en fous. Non, il y a rien d'intéressant là-dedans. Ah, il y a autre chose que j'aimerais essayer. Autre chose que j'aimerais essayer, pour ça on va sauvegarder. Et ça, on va le faire. On va le faire chez dans un peuple. On va le faire sur un des peuples de l'autre côté du trou noir. On va essayer de détruire leur écosystème. On sait jamais, on peut essayer. On va les envoyer à l'ère glaciaire. Oula! Ah ouais, d'accord, ok. Bah justement. Écoute. On va faire cela. C'est laquelle? C'est celle-là, leur colonie. Et bah, on va aller choper leur colonie. Et là, ben on va... Genre on va faire monter l'atmosphère trop haut. Bon. Vous savez quoi? Ok.
Allez, hop, salut les mecs, au revoir. Voilà, ça c'est fait. Ok, ici ils sont pas joyeux. Ici on va vraiment se la jouer conquérant. Et ben on va aller rabattre le claque-merde de ces mecs-là. Donc, pas compliqué. Déjà, on va démolir leur T2. On va procéder comme ça. Voilà. Comme ça. Et ça devient même de l'avant-fusion. Il semblerait même qu'ils aient perdu une colonie dans la lave. Oh, si je peux. Oh, si je peux les détruire comme ça, je le fais. Bon, allez, hop. Ah merde, j'ai plus de quoi tirer, j'ai plus d'énergie. Mais c'est pas mal comme technique de. Dommage qu'on puisse pas contrôler nos colonies, qu'on peut pas dire à nos colonies d'aller attaquer avec d'autres vaisseaux. Comme le comportement de nos alliés en fait. Allez, hop, on va conquérir ça. Voilà, c'est pas mal ça. Bon, ils se sont pas rendus.
écouter. On reviendra. On reviendra. Donc voilà. Ça, on sait pas ce que c'est, ça non plus, et ça non plus. On va juste essayer de rentrer en contact avec eux. Voilà, histoire juste que j'ai les marqueurs sur la carte. Voilà. Comme ça au moins on a vraiment les marqueurs à des planètes mères sur la carte. Bon ben on va attendre que la folie fanatique se déclenche, enfin se régénère. Là-bas il y a quelque chose. Et on va progressivement les conquérir, on s'en fiche. En fait, d'un côté, on va se la jouer cool, de l'autre, on va se la jouer conquérant. Et ce qui est cool, c'est qu'ici, ça n'a aucun impact. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Parce que eux, s'ils savaient ce qu'on a fait à leurs semblables... Mon Dieu! Bon, enfin bref. Alors au niveau des... Alors ici ça progresse, ici ça progresse aussi, et ici ça recule pas non plus. Donc, ben ouais. On peut aller récupérer nos épices, éventuellement. Donc on va refaire le tour de nos colonies. On va commencer par celle là-bas. Ah oui, celle-là, je l'ai pas terraformée. On va juste rapidement la... Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Ça y est, on rentre 31. En 32. On va pas tarder à arriver en T3. Sympa cette couleur orange, orange là. J'allais trop loin. Je le sens, je vais trop loin.
Voilà. Juste augmenter encore un peu. Voilà. Sympa. Bon. Ben, on peut déjà y implanter 2-3 trucs. Ça coûte pas bien cher. Donc déjà les plantes. Un arbre. Ok, niveau herbivore, on a déjà ça. On a celui-là. Il nous manque un carnivore. Ok. Je vois que je viens de perdre l'indice pour le T3, donc on va juste réchauffer un peu la planète. Alors, il y a ça, donc pour le T2, est-ce qu'on a ce qu'il faut? On a tout ce qui est plante, apparemment, on l'a. Ok. On a deux herbivores. Et on a un carnivore. Le yo-yo. Voilà. On va encore une fois augmenter un peu la température de la planète parce que je vois qu'il est encore en train de plonger vers le T2. Ok, et peut-être augmenter un petit peu l'atmosphère d'un chouïa. Voilà. Là, on est nickel normalement. Hein. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le T3? Pour le T3, je vois que j'ai la plante, j'ai l'arbre. Bon, on va déjà les envoyer. Ça, pas bien grave. Hop. Mais j'ai pas le feuillage. Donc j'ai pas tout. Je n'ai pas tout, mais ça fait rien. On va laisser comme ça. Et puis on va commencer à produire. On va juste mettre un petit complexe. Voilà, ici, histoire de dire que les habitants se rechaussent les maisons de base, enfin, qui proposent. Là, je suis embêté parce que là, en fait, je produis, mais je n'ai aucune défense. Je produis. Et je pourrais mettre une deuxième base. Si je voulais, je pourrais mettre une deuxième colonie ici. Mais ça va, c'est relativement sympa. Allez, hop. Donc ici, ça va produire un peu. Pour le moment, ça va produire un poil. Bon. On va faire comme ça. Sans hors caméra, je referai du terraforming des planètes. Parce que là, voilà, ça, c'est pas forcément passionnant. Non, c'est pas ça, c'est la planète d'à côté que je voulais. Jaune. J'ai vu que je commençais à manquer d'énergie.
Je ravitaillerai ma maison mère. J'ai vu que les planètes clignotaient, mais c'est des trucs de coloriage, c'est des trucs, franchement, ça m'intéresse pas, quoi. Quoi? C'est quoi cette planète? Ah, c'est du... Oui, ok, d'accord. Ah, puis c'est un T0 ici, ouais, ok. Ah oui! Attends, c'est un T0? Je l'avais remis en T3, cette planète? Ah non, oui, non, oui, c'est un T3, oui. Ouais, mais il produit rien, c'est tout. J'ai jamais eu l'occasion de m'en servir réellement. Alors, hop. Allez, on va faire une petite escapade ici. C'est quoi? Ouais. De toute façon, je peux pas collecter les pistes ici. Et puis, c'est tout. À T0 ici. Juste pour le sport. Hein. Je. Elle est où la colonie là-dessus? Ouais, elle est là. Alors, j'ai vu qu'il fallait que j'augmente la température. Allons-y. Donc, j'augmente la température d'un premier temps. Ok, bon donc ça c'est bon et j'augmente l'atmosphère. Ok, je viens de bouffer toute mon énergie. Pour ça. Alors, hop. On peut déjà... Ah, donc voilà, donc là le T2, je peux le faire. Donc hop. 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 Herbivore. Il me manque juste un carnivore qui me semble pas avoir. Ah si, j'ai un carnivore. Voilà, mon T1 est confirmé. Pour le T2, ça va être plus dur. Quoique non, c'est bon, T2. Ah. Pour ça, et j'ai deux herbivores, donc si c'est bon, ça le fait. Par contre, il va me manquer un carnivore. Et la planète est en train de se refroidir trop vite. Il me manque un carnivore. Ben c'est bon.
J'ai ce qu'il faut. J'ai un omnivore là. Voilà. Bon, ben voilà. Comme ça, on attendra. Ça peut un petit peu produire. Résultat. On va juste mettre un petit complexe. Une usine, pour le moment, on va juste mettre ça. Ok. Voilà. Bon. On a terraformé une planète de plus. C'est pour les plus jeunes, bon, c'est tout. C'est juste parce que voilà, quoi. C'est quoi ça? C'est pas à nous, on s'en fiche. C'est pas notre problème. Les petites violettes là. Donc il y a... Il y a Sienne normalement, voilà il y a ça. Ici, ce système-là il me permet quand même de gagner un petit peu d'argent avec l'épice bleue et l'épice rose. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen de... Voilà, hop. Est-ce qu'il y a moyen, c'est de... Voilà, dans les paramètres de désactiver les... Ah d'accord, ok. Oh bah quel con. Ok, tous les badges ici, je peux les... Neurochirurgien. Faites passer une créature de la phase tribu. Oh! Ok, alors il me faut une planète où la vie est encore à l'état tribal. Il me semble en avoir vu une. Non loin de là. Voilà. Alors, allez, alors c'est à l'état tribal. Hein. Ouais, ok. Donc il me faut... Donc attendez. Donc passer une créature à la phase tribu. Donc il faut que ce soit... Comment je peux faire ça? J'ai un truc qui me permet de faire ça ou... Non, à mon avis c'est...
Alors. Entamer le dialogue. On n'a pas de barre de progression, on a que dalle. Bon, et puis j'ai plus d'énergie. On va voir ce que ça donne. Vous êtes cher quand même. Bon, alors. C'est quoi ça? Ouais, bah, non, non, tu te démerdes. Bon, ok pour le badge. Bon, on va suivre le truc. Sinon, c'est quoi? Nettoyeur, accompagner 5 missions d'éradication. D'accord, donc ça c'est en remplissant des missions. Conquérant, prenez 5 planètes pour gagner le patch de conquérant. Donc la prochaine planète que je conquéris, c'est bon. Ramasseur, donc ça c'est bon. Garde du corps, défendez 20 amis pour gagner le badge garde du corps. Ok, d'accord. Diplomatie, concluez 20 alliances pour partager le badge de diplomatie niveau 5. J'en ai 17 actuellement, ok d'accord. Donc ça c'est ces trois peuples à contacter et à se mettre alliés avec eux. Explorer 250 systèmes solaires pour gagner le badge d'explorateur niveau 4. Empereur, étendez votre empire à 35 systèmes solaires pour gagner le badge empereur 5. Ok. Coursier, 5 missions de livraison. Ouais non, on s'en fiche. Touche à tout, afficher sans outils pour gagner. Acheter sans outils. D'accord, ok. Marchand, je suis niveau 5, tout va bien. Missionnaire, 5 missions. Enfin, 10 missions. Grand architecte. C'est du coloriage, franchement. Alors, faites 10 découvertes cosmiques pour gagner le badge. Ouais. Schizophrène. Changer de personnalité une fois. Faut voir comment on fait. Terraformage à faire. Wow. 40 axes commerciaux. Voyageurs, visiter 50 empires pour gagner le badge voyageur 4. Ça c'est bon. Vagabond romanesque. Découvrez deux planètes enchantées pour gagner le badge vagabond de... D'accord, ok. Zoologiste, peupler 40 écosystèmes. Ça, c'est les objets, mais merci, mais
Voilà. Attendez, il y a un truc que j'ai pas vu là. Les résultats, je vais où pour mes missions? Non, c'est pas ça. Quand même vu pas mal de trucs, hein. Soucoupe détruite. Ça, c'est mes terraformages. Ok, d'accord. Ça, c'est mes entrants de guerre. Conquérir Gradubine, ok d'accord. Allez hop. J'en suis où d'ailleurs de mon. Ouais, je suis à plus de la moitié. Ok d'accord. Bon, et eh ben au niveau de ma soute, il me semble que j'ai des épices. On va aller vendre tout ça. On va essayer de vendre à nos nouveaux alliés là. Voir si ils peuvent s'épandre un petit peu. On était censé être alliés. On est bien allié, hein. Il me semblait l'avoir vu en cerclé de verre. Non, on n'est pas allié. Je pensais. Je pensais, en fait, on n'est pas du tout allié. À nous ça. C'est à nous, on est attaqué par ces ovnis. C'est des petits pirates, c'est rien ça. Oh merde, j'ai pas fini. Bon, à mon avis, j'ai un axe commercial qui vient de se terminer. L'Empire Chibi, à mon avis, c'est axe commercial. Ok, il manque juste un vaisseau là-bas. Et par contre, les vaisseaux alliés, là, ils sont plus du tout résistants, hein.
Je vais prendre ça. Faudrait qu'on le teste. Ça, franchement, le Boom Planet, j'ai envie de le tester. On peut l'avoir, moi, chérieur. Le problème, c'est que notre propre peuple nous escroque au niveau des prix, c'est hallucinant. Bon, ah, ça nous force aussi à aller au commerce avec les autres. Allez, alors, ça, c'est nos axes commerciaux. On a 5000. Eh ben, c'est bon, on va pouvoir acheter les deux systèmes. Parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est tous les deux des T0. Donc les T0, voilà, T0, acheter le système pour 1000. Voilà, enfin pour 1 million, je veux dire. Normalement, je suis sûr que même 500, c'est sûr, mais j'ai pas envie de prendre de risques, et puis j'ai de la thune, alors on s'en fiche. Ça, c'est un T0 aussi. Le terraformage, je le ferai hors caméra. Je sais pas, l'intuition, je me suis dit, allez, je prends mes épices et ouais, ça vaut le coup. J'ai pas vu ce que c'était en planète, si c'était des T1 ou des T0, mais bon. Ça, franchement, là, pour une bouchée de pain, j'ai eu deux systèmes solaires supplémentaires. Mais bon. Eux là-bas, ils ont pas l'air de vouloir croître. Hein. Ça, de toute façon, ça se vend pas ces épices là. Le grand boom, tu le vendrais pas toi? Non. Apparemment, il y a que notre peuple qui vend le grand boom à 4 millions, mais 4 millions quoi, voilà quoi, c'est une somme. C'est une somme. Alors pareil, on avait des alliés par là. L'Empire Gradubide, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ah, c'est la planète, ok d'accord. Eh ben on va racheter une planète en plus. On va racheter une planète en plus, c'est un T0.
On va les laisser s'étendre un petit peu. On va vraiment s'occuper des bleus clairs parce qu'ils sont vraiment nombreux. Si jamais on venait à, pour une quelconque raison, s'embrouiller avec eux, je veux pas qu'ils aient autant de planètes. Je préférerais que eux, enfin que qu'ils diminuent et que eux deviennent à peu près leur égal pour en envoyer un sur la gueule de l'autre, quoi. Et vu que les bleus sont les plus proches, c'est les plus dangereux. C'est ceux-là que je suis en train de racheter, donc on va racheter celui-là. J'avais déjà essayé d'acheter ces trois planètes-là, hein, mais on s'est embrouillé. De mémoire, il me semble qu'on s'est embrouillé. Et... Mais bon, là ça a l'air d'être solide quand même notre relation. Donc ça a l'air d'aller. Par là, ça va continuer à s'étendre. Mais ouais, je suis d'avis plutôt à ce qu'on achète en fait le cœur du système dans lequel on se trouve là. Et après on attaque les branches, quoi. Comme ça, en fait ça va nous servir de filtre dans un sens. Parce qu'évidemment, bon, alors là malheureusement c'est beaucoup de T0. Apparemment, hein. C'est énormément de T0 les planètes. Mais... Mais bon. En fait, l'idée c'est simple, c'est en fait ils vont prendre les planètes les plus avantageuses, quoi. Généralement, c'est ça. Et puis ça nous fait toujours économiser une colonie, mais bon. Le but c'est de s'étendre, de toute façon. Effondrement du système. Ah, ça c'est la planète... J'ai envie d'essayer un truc. Tiens, il y a quelque chose. Ouais, c'est la fameuse mission en fait. On continue ou... Oh non, allez. Ouais, bon, allez. On va le faire rapidement pour arrêter l'hémorragie. Eh, vous savez quoi? J'en ai ras le bol. On va procéder autrement. Il semble que ça marche. Hey, c'est tout ou rien, hein, c'est... Voilà, comme ça m'évite d'avoir toutes les espèces de l'univers dans ma soute. J'ai radic. Mais pourquoi tu remontes? Descends! Ok, c'est autre chose.
Ok, il y a une guerre, il y a quelque chose. Voilà. Ressources volées. Ah, je leur ai volé des ressources à eux aussi? Je me souviens plus. Bon, donc on est en train de conquérir de d'acheter ces trois planètes là. Ouais, on va acheter les trois là après. On va acheter tout ce groupe là. Les jeunes, on va les laisser un peu. Oh, les jeunes, on pourrait aussi les réduire à une planète quoi. Planète. Ah! Tiens donc! Philosophie du hasard. Ça, c'est l'espèce qu'on a aidé à progresser. Ok, bon bah ça c'est le peuple ouais qui est vraiment enfin auquel on a contribué quoi. Bon bah sans contrebalance à tous les peuples qu'on a démolis j'ai envie de dire à notre conquête spatiale là. Voilà. J'ai l'impression que le moteur commence à galérer quand même. On n'est jamais rentré en contact, nous. Philosophie de la foi. Ok, très bien, c'est des religieux. Ouh, j'aime bien le prix auquel tu prends mes épices oranges. Ça, c'est leur T2. Donc ça doit être l'autre planète, leur T3.
voilà. On a fait nos trois partenariats. Objet débloqué, ambassade. Ouh, c'est quoi ça? Tu le vends ici ou... Il ne le vend pas ici, mais si on a des ambassades, ça peut être sympa. Faut voir l'effet que ça a, mais si c'est ce que je pense, ça peut être cool. Je la vois pas dans notre planète, mais en tout cas. Le tour de nos colonies pour récupérer les épices, tout le bordel. Juste, et on va regarder rapidement dans les colonies, voir s'il n'y a pas le s'il n'y en a pas un qui vend la fameuse ambassade, parce que je suis sûr que c'est un bâtiment qu'on peut poser. Ou pas. C'est quoi ça? Ocrogène. D'accord, ok. Donc ça... Architecte ou empereur? Bon bah ça sera empereur. On s'en fiche. Une créature et emmenez-en 5 dans une coupe. Waouh, cool. Lobotomie à utiliser sur les citoyens paniqués pour les calmer et suspendre leur attaque. Mais t'as pas l'ambassade.